Je sais pas, ouais, le thème il est ergué, pourtant j'ai beaucoup de CC avec Amumu. T'as l'impression que mes CC duraient longtemps? Tu fais quoi après, Céleste? Oui, oui. Okay. Non, mais j'ai entendu ce que tu disais, hein. D'accord. J'ai l'impression que mes CC duraient longtemps, nanana, je sais faire du multitasking, d'accord? Non, mais. J'ai posé une question, tu ne m'as pas répondu. Non, je t'ai posé une question, tu ne m'as pas répondu, tu ne sais pas faire des multitasking. Ok, j'ai pas entendu la question, en effet. Tu m'as posé la question si c'était rentable item, quoi. Je t'ai demandé si t'avais l'impression que mes CC duraient longtemps. Bah, vu non, que je te voyais pas dans les fights, non. Comment ça, tu me fais... Oui, c'est vrai qu'on se voyait pas trop dans les fights. C'est non, c'est vrai, c'est vrai, on partait chacun de notre côté, on faisait notre périple. Tu veux jouer Ezreal? J'ai joué à Melee, alors. Non, je sais pas si tu veux jouer Cassio, je peux jouer Ezreal. Ok. Je vais tester un... Je pense S, ça peut être décent aussi. Je vais tester un front. Alors, qu'est-ce que je vais tester en front? La team, aidez-moi. Galio? Ah, oh, Galio, ça m'a l'air... Gwen. Et ils ont annoncé toute leur line-up cassée, j'avais pas vu. Ah, il n'y a pas de changement. Botlane, non, du coup. Pas de changement bot, et après c'est Vladi, Closer et Kana. Ouais, y a des way. Vraiment, j'ai joué Gwen là-dedans. Bon, Theorycraft item un peu, il est vraiment nul. Je sais pas, je sentais pas trop de puissance. Il y a plus Sakan. Non, apparemment, il jouera pas en LFL non plus. Non, Sakan n'a pas été proposé pour jouer en LFL. Après, peut-être qu'il jouera en 2025. Hein. Je sais pas, je pense qu'il a... Il a gratté un burn-out conséquent comme Cabo. Je pense que les deux joueurs, si on les revoit en compétition, c'est que vraiment, ils sont plus là pour gagner. Enfin, pour gagner. Ils sont plus là pour... Ouais, je vois ce que tu veux aller dire. Plus haut, quoi. Aller plus haut. C'est-à-dire, après, c'est mon avis. Les mecs, ils attendent l'aval de Riot. Non, mais ça veut rien dire. Ça, c'est en gros, c'est juste... faire des behavior check. Et ça m'étonnerait que... Pff, déjà, les mecs, on a des mecs gigatoxiques en Europe qui continuent à jouer en pro, donc ça m'étonnerait que le Kana soit problématique, hein. Ouais, je pense que si Kana est plus problématique que Promiscue ou ce genre de créature. Ouais. Après, tu sais que le serveur coréen, Mumboom, oui, quoi. Ils sont... Oui, Mumboom. Mais Mumboom, moi, ça me fait rigoler, tu vois. Bah, moi, c'est comme ça, j'ai tiré la Daron Explose à chaque fois que je dis ça maintenant, c'est parce que ça vient de Corée, quoi. Ça me fait rire de dire. C'était la première fois que j'étais allé en Corée, les insultes c'était You have no finger, no face. Pour dire que tu n'as pas de main, donc pas de mécanique, et pas de tête, donc pas de macro. Ça m'a mis très très bien. Le no face m'aimait bien, ouais. Oui. Et Endure Mom Go Sky. Bon, ça, en vrai, quand tu y penses, c'est très triste, mais c'est tellement différent de l'Europe que c'est rigolo. Je sais pas si je prends ça, c'est un peu osé, je pense. C'est super cool. Ça, c'est pas mal. Ou alors, ouais, au moins que c'est pas mal. Et où le pantin là? Le No Finger No Face est légendaire en vrai. Moi, c'est vraiment Your Mom No Boom. Finger No Face, ça me met bien. Ça me met vraiment bien. Ouais, Your Mom Boom. En fait, c'est quand tu sors de l'Europe, hein. Où tout le monde t'insulte ta mère de. Ah ouais, mais ouais. Ouais. Et tout, et que t'arrives en Corée, tu comprends rien. Les peu de fous, les mecs parlent en anglais, ils sont en mode Your Mom Boom. En fait, en Corée, c'est plus court, mais c'est plus violent, tu vois. C'est ouais. Vraiment. En Europe, nous, on est méchants et tout ça, mais c'est rare qu'on va jusqu'à la mort et tout. Eux, c'est vraiment directement Your Mom. Et à moi, c'est Toto. Oh, je suis ce gars. La flash? Comment du waste? Qui, moi? En lui. J'ai flash pour ce round parce que j'en avais marre de perdre. J'en avais marre de voir des fêtes. Il a pas flash, hein, Mio. Ensuite, Kana s'est cassé. J'ai déjà répondu, mais c'est un move que j'appelle. un one shot explosif. Soit ça passe, soit on s'en souviendra tous les jours. Et vous l'aurez pas l'année prochaine, je pense. La barrière de la langue va être très difficile à vaincre. Ouais, c'est compliqué. Les gens jouent. Qu'est-ce que les gens jouent sur Gwen en Aram 2v2? Quoi, comme bot et tout? Ouais, c'est les bots qui m'intriguent. Parce que franchement, ça peut. Est-ce que c'est
Berserker est buffé, non, c'est pas mal. Je vois qu'il y a un mec qui me dit dans mon chat, c'est rare qu'on voit jusqu'à la mort, dit celui qui a dit bisous. C'est... Alors... c'est il y a longtemps, c'est il y a longtemps, mais... Alors... Mais c'est vrai que c'est cocasse. J'ai dit c'est rare, mais ceux qui vont, n'hésitent pas. Moi j'avais ma petite période, mais j'étais pas à ce point toxique, c'est pour ça que quand j'ai fait ça, je me suis instantanément remis en question, et j'étais en mode, bon, c'est peut-être un peu excessif pour un jeu vidéo de dire kiss, quoi. Oui, oui. Mais et sur le coup, ça m'a fait un bien fou, tu vois. Ah, putain. Alors, le Olaf me déchire. La plante en haut. Qu'est-ce qu'il veut, ce SDF sous crack? Alors, pas trop... Tant de déchets avec ça, on l'a au la fin. Laisse t'amuser, vas-y. Toi, t'es pick-upé sur l'arena? J'en ai aucune idée. Je suis en train de réfléchir encore. Mais je pense. Ah. J'aurais peut-être me focus sur la fin de ma game. T'inquiète pas. Bah, normalement, même tu pouvais me ressusciter tranquille. Ah ouais, les Q et oh oh. Ça va, j'ai raté 2 spells alors que je suis plus seul perfect depuis tout à l'heure, regarde. Allez. Tu veux me raise ou tu veux perdre 1v1? Mais tu veux pas braise? Non, tu fais exprès, mais quel golem. Mais tu vas perdre le 1v1. Je vais te revive. Je vais mourir instantanément. C'est bon. Tu sais qu'il m'a fallu genre 3 secondes pour comprendre que tu faisais exprès d'envoyer tes trucs en Turquie là. Ça peut être pas mal. Attaque réduite sur Abitclone, ça peut être bien, je pense. Je sais pas comment ça marche. 90% attaque speed! Ah oui, bah c'est OP hein! Orc sous Yonan? Ouais, je pense. Ou dans le Nashor quand même, parce que là je peux pas rien faire. En attaque speed. C'est OP ça! J'ai 30% de densité par contre, je prends pas un affront. Gaga. Bon. Oh, c'était mort. Pas eu le temps de lancer mes dernières fléchettes. Pas du tout parce que. Ça a pas grand chose de crever, il a pris la plante juste au moment où il allait mourir. Ouais, moi aussi, c'est la dernière aiguille n'est pas passée, enfin n'est pas sortie avant. Un clip épinglé où je parle avec Escana te ferait gagner beaucoup de temps ce soir, Imo. Ah, c'est ok, les gens viennent sur le chat, les fans cassés sont. Qu'est-ce que tu penses de casser Kana? Message pour la première fois. Qu'est-ce que tu penses de casser pour Kana? C'est exactement ça. Et après, dans 10-15 minutes, je suis en train de troller en mode non, mais les gars. Il est éclaté au sol, il s'est fait kick sa dernière équipe. Ouais, moi je vais te dire des trucs genre, mais c'est qui Kana? Alors que j'ai casté toute la saison dernière, tu sais. Kana? Il devrait pas rester tout de suite. Les blobs de Zach ne prennent pas de dégâts de la zone. Ah oui, d'accord. Dégâts OP, hein. Alors, un petit temps de Nashor, à poil. Ça fait 400. Il faut la quête de la spatule d'Urf là. En squat, Kanache est cassé. Bah en vrai, c'était un top médiocre en LCK à l'époque. Je pense que c'est pas forcément le meilleur des ajouts, mais bon, ils font ce qu'ils veulent. Bah pour moi, surtout genre fin de carrière pour lui. Ah ouais, ça se voit, il vient en Europe pour avoir ça. De l'argent, mais je pense que ça se voit qu'il s'en bat les couilles quoi. Bah c'est un peu ça de la casser d'avoir peut-être tombé dans le panneau, je trouve, mais. T'es tombé dans le panneau. Je vais tomber dans le panneau toi aussi. Ouais, moi je vais tomber dans la mort. Attends, t'as pris ça, tu aurais dû prendre. Je suis venu de pile-up. Je suis un peu emballé. Oh, il t'avait même pas ult.
Non, non, il m'a atomisé. Tu sais que j'ai joué hier contre... Oh my bad, non, j'aurais pas eu d'âge, mais... Par contre, ce genre de compo, c'est l'enfer. Hein. J'ai joué hier contre... Du coup, Stray et Robalas, là. Stray, il a fait une game Garen. Ouais. Il m'a tué en 0,8 secondes avec son Garen, genre. Oui, mais Garen, tu sais que c'est broken dans tous les modes de jeu de toutes les League of Legends. C'est tellement OP. Et Garen est l'un des champions. Je pense que c'est le champion le plus facile à jouer et le plus broken de LoL. Mais pas ouais, en mode le plus broken, mais genre dans l'égalité. Rapport facilité et broken, il n'y a pas un mec qui peut venir me dire, ouais, peut-être Evelyn à la limite, mais Evelyn, il y a un minimum de connaissances de jeu à avoir en jungle. C'est plus compliqué, je trouve déjà, ouais, parce que déjà tu joues jungle, donc. C'est ça. Mais franchement, le rapport qualité pour niveau de jeu, désolé Stray, mais Garen, non, mais top 1. Top 1. Je suis d'accord. Après, pour moi, il y a des trucs genre Olaf Darius qui sont comme ça aussi. Ouais, ils sont pas mal aussi. Il faut absolument pas perdre celui-là, donc je t'invite à... On joue contre qui ? Acheter une potion. Kali. Vas-y, go, potion. Je veux une potion d'HP, moi. Tu sais, je vais partir full tank maintenant, parce que les mecs en face, c'est que des mecs qui veulent nous one-shot, hein. Vas-y, hein. Fais-toi bien. Big Better pour Darius. Daryl. Attends que je te croise, Irel, que je te pote les fesses. Genre je me suis pris une double W de chin. Bon. Akali sous ulti, fais gaffe. Je suis loin, j'arrive. Ça y est. Non. Quel rat. Allez là. Il a malignance. Bah, son teammate et il n'y a pas de counterplay. Nice try. Putain. Franchement, il a fait 3 ultis, je crois. Il doit avoir un truc qui permet d'avoir des ultis comme ça. C'est my bad, j'ai Q-click quand il a repop, qu'il était invis, et du coup le clone est revenu et le premier auto est parti sur le clone qui l'a tué. J'ai mis mon Q sur les deux, mais je pense que... Okay, donc... Ah mais je pense que c'est rentable, tu vois, de... J'avais 200 HP, il avait moins de shot, il fallait que je fasse un truc. Non, mais oui. Peut-être un Zonian. C'est pas dur, mal. Hein, quand même. Chaco, c'est vraiment fort aussi. C'est un perso un peu de con, mais... Heureusement, on n'a pas récupéré nos points de vie, notre lance. Pas du run down sur la plante. En fait, j'osais pas trop run down, j'étais en mode, il va y avoir des box partout, frère. Je vais faire ma name in first, d'ailleurs. T'as vu, c'est un reset d'auto et Olaf, faut savoir appuyer sur le R. Ok. J'adore les conversations. Fini le shot. Ça va être un 1v1. Oh, il t'a pré-shot, sa mère! Bon, je pense qu'il a mis C. Je pense que c'est C. Oh, tu l'as pris. Nice try. Oh putain! J'ai une mauvaise pause en fait. Le problème, c'est qu'il avait plus d'HP que moi, du coup, le temps que je le descende. Pas les je vais arracher le cul, Shrik. Je sais pas trop quoi dire d'autre que on se fait arracher le cul. J'ai pris des gueules un peu avec First Strike ou pas ? On accumule le karma positif pour la suite. Exactement. Zonia, j'avais même pas de timing à l'utiliser. Et pas de timing pour Zonia ? Si, mais en gros c'était gaze. Zona City ? Ok, c'était gaze alors.
Ok, alors le passif agressif là. Non, on est... non mais... Je veux dire que l'excuse est... j'avais pas de timing pour utiliser un Zonia. On jouait littéralement contre des mecs, c'était Wei et Maokai, donc bah il y a juste le Fear de Wei. Allez, le début non, de Mao. C'est le seul truc que j'aurais pu Zonia, c'était le R de Wei, il était pas si important quoi, c'était ça je veux dire. J'aurais peut-être été plus en danger que de Zonia que de... J'ai pas eu de burst parce que j'étais toujours sous W. Ouais, non mais t'as raison. En gros j'ai pris des dégâts très lents, et si je Zonia, j'ai peur que bah je respawn dans 3 spells quoi. Vas-y, en vrai t'as raison de pas l'utiliser. On a pas menti, on est dans la merde. Putain de jean de merde. T'as une plante en bas. Et c'est génial. Hein. Tu sais que le barde m'a fait plus de dégâts que le Zac. Atomisé. Hein. Oh putain, dommage. Dommage, on a perdu là. Ah bah oui, là oui. On a fait que perdre, je crois. Je crois qu'on est top 8, hein. On a pas gagné un match. Si, je crois qu'on a gagné un. Ou peut-être deux. Si on a perdu là. Ah oui, on est à 0. Là, c'est perdu. On a top 7. Top 7, ça va. Bah, c'était une bonne dernière game, on est monté de top 1 à top 8. Bah écoute. Écoute, ça arrive très bien. Ah, j'ai plus de dégâts que toi. Bien joué. Bah, je suis fier. Ah oui, t'as plus de dégâts. Oui, effectivement. 301 de dégâts de plus.